Di menm, te aksepte ba mpa e pran tèt misyon sa, e ke pou an pou vi d'eksperyans, e Kenya gen pre de 40 ans de la patisipe nan jan de misyon la pe yo a traver le mond, e disite 47 peyi. Donk yi di, an pou vi d'eksperyans la, e Kenya gen son. Men dit ke, e yu ta mande kes moun, e te mande prezident Biden, ki eske pense ke, et Kenya capable il y a moyen pour les combattre bandiole il dit oui ça qu'elle est capable Kenya lui même il dit tout lui même et bandiole traité comme monde qui pas gagne religion pas gagne il pas gagne c'est des sans foi ni loi qui pas gagne rien il pas même un langage même etc. Il dit que monde ça c'est pour fonctionner avec yo Jean Lia ou pas qu'à l'en pitié avec eux, c'est selon la loi. Et puis, c'est mettre en état, hors d'état de nuit, pour pas suspendre, faire préparation souffrir. Donc, monsieur prend tout ça. Et puis, lui, c'est l'idée comme quoi c'est les États-Unis qui mettent l'en. Par les Unis, il n'y a pas aucune indication qui montre que les États-Unis fait accepter pour faire partie de la mission. Il dit au contraire que c'est peuple kenyan qui bat émission, hein, parlement kenyan bat émission, hein. Et bien, donc, il va le travail à côté police nationale là, et pour l'accompagner police nationale pour faire travail ça, et pour faire travail sécurité. Il y a un plan de travail déjà, il y a discuté plan de travail ça, qui déjà d'après, et framework, ou bien encore d'après, et agenda, ou bien calendrier, Nations Unies mettait devant, et bien il dit, il y a tout le mandat ça, et pour raison ça, il n'y a pas le travail. Donc il dit que lui-même, c'est, j'en parle, c'est un coup, c'est point de faire pas, donc monsieur Negameo, qui a quasi brisé en bas, il dit, monsieur Ranger Koyo, et yo même y a vini et dit pas dit tout que la vie travail sous terre est difficile donc Haïti le considère comme ça donc il dit qu'elle pas croit que est capable il va faire échec ou il va faire bécaté donc mission là son mission qui de ici donc c'est comme ça donc c'est confirmé et mission c'est vraiment mission que et ce conseil sécurité des Nations Unies a approuvé depuis plusieurs mois. Donc, c'était pour un an. Donc, ça veut dire que nous presque arrivés dans un an. Peut-être que nous n'avons pas arrivé. Les Nations Unies pas obligé de renouveler mission, même là que nous pouvons commencer. Mais, pour des raisons logistiques, ministre assemblée nouvelle qui publie dans le journal des journaux américains, et bien, grand retard dans le déploiement mission, hein, pour des raisons logistiques. Et qui peut comparer, il y a manqué bagages, manqué équipements sur place. Donc, monsieur, vous voulez qu'il faut que vous d'abord prêt. Pour le service du tout plat, on met rentrer qu'on y a la vinda. Donc, en attendant qu'il y ait un travail de construction qu'on a fait dans l'aéroport pour préparer, côté que soldat aéroport est pratiquement prend logement. Si qu'après, ça va capter dans le préparer, pas rien qui dit que il y a déployé en province, mais surtout pour amener dans la capitale. Pendant ce temps, bon, diable, il continue à opérer, monsieur, continue à craser infrastructure et police nationale là. Commissariat qui a été attaqué déjà, mais qu'on a fait une craser honnête. Et cela est, et police a pas fait aucune réaction qui fait à et pas informé même si il a informé que et monsieur Tapkrazon c'est le commissariat bon pas ni aucune intervention qui fait pour empêcher que le fait ou pour empêcher que le continuer donc tout le monde a attendu tout le monde a posé question pour qu'on s'est passé en tout cas conseil présidentiel et transition a rencontré avec délégation kenyan en Haïti et justement on peut discuter des questions stratégiques très certainement qui va partager avec la presse conseil a été fait en conseil des ministres avec le gouvernement intérimaire. À côté, il y a intérimé exactement toutes les décisions, quelques décisions qui étaient déjà prises, tant que majorité qualifiée dans le conseil-là, 5 sous 7 au lieu de 4 sous 7, et tout ça qui était nécessaire, qui certainement voyait dans le journal Le Moniteur. C'est pas tout bas, non, qu'aller dans le journal Le Moniteur, il y a pourquoi aller, mais quand même, pour le moment, il voyait quelque part aller toujours dans le journal Le Moniteur. Puis, question de sécurité, il y a 3 missionnaires américains qui ont un orphelinat en Haïti, parce qu'ils sont à l'entour capitale à Port-au-Prince, mais ils tombent dans l'embuscade. Et bien, l'embuscade là, et bien, et nouvelle lieu, d'après ça, Emmanuel Dino, et bien, 3 missionnaires, ça, ils ont perdu la vie, donc pas de guette à priorité, mais l'hôpital, etc., parce que monsieur prend une embuscade et ils ont éliminé, ils ont tué. Donc, à la commission de la c'est un lien familial avec un parlementaire américain.
Et donc, plus nous avançons, nous allons avoir plus de temps encore sur l'autre bail qui fait. Mais tout ça fait partie et qui se montre comment la situation terrain vraiment est difficile, le moment que la question a posé pour demander qui est la force de sécurité à venir. Rappelez que les gens qui ont contre la force de sécurité, bon, ils n'ont pas, parlé encore de ça encore du tout, donc tout le monde a eu l'étape tonne. Et puis, il faut qu'on fait pas qu'on a pour le conseil présidentiel là, et bien, il y a continuer à étudier le dossier et les gens qui posent des candidatures pour le poste Premier ministre, c'est environ 200 candidats. Donc, qui a réduit, il a réduit en premier temps à 15, ensuite il a réduit à 5, ensuite à 3, ensuite il a fait un vote pour qu'on ait. Mais d'après ça, conseil a dit, il était probable que dans le fin de là, nous n'avons qu'on ait au moins qui est le Premier ministre, qui parle former le gouvernement, et il faut former le gouvernement. Donc, on fait d'autres qui sont déjà établis, déjà, et d'après ça, conseil a fait, et conseil a même fixé les élections pour 2025. Pour décembre 2025, donc certainement, il parlait d'installation d'un nouveau gouvernement, un nouveau président avec tous les dirigeants, toutes les institutions de 7 février 2026. Qui l'autre point encore qui s'est abdominé en actualité? Pratiquement, ça c'est un grand point, dans ces visites au toit et qui bien coordonné avec le déploiement force là. Donc, M. Outojeune, un gros support aux États-Unis et très certainement et États-Unis pourront être pour l'aider. Et puis États-Unis disent probablement des congrès à tout pour déclarer Kenya comme un partenaire États-Unis qui pas fait partie alliance l'OTAN. Donc, à comprendre ça, ça veut dire. Et bon, M. Outo lui-même est tombé mission ça, voilà ça. J'espère que d'abord, d'être pour pays, des problèmes de technologie, problèmes de combattre et changement climatique, etc. Donc, j'espère que les États-Unis peuvent camper à côté de lui et j'espère que vous tombez, voir ça à pied de lui. Et puis, tout le monde fait plaidoyer pour, pas seulement pour lui-même, mais pour pays africains autour, surtout pays endettés, pour qu'il y ait des moyens qui sont disponibles pour permettre que pays ne soit pas utilisé, malgré ce que vous avez pour aider. Pour payer des dettes alors que il va être capable même manger la caillou, donc faut que tu aies d'autres moyens pour ça que les États-Unis pourraient qu'ils pourraient le faire, ils pourraient demander des fonds internationaux, puis ils créent d'autres moyens, d'autres ressources, d'autres façons pour payer ça, qui a coupé en balance de dettes, et pour voir dans quelle mesure pays ça est capable et continuer à payer des taux, mais en même temps, plus gain l'autre, au lieu qu'il y a fouillé pendant tirer sur ce gain pour payer des taux, mais quand même, et j'en ai l'autre moyen encore pour soulagement. Donc, son seul soulagement et d'être que le président Biden dit le Parlement, etc. Donc, et tout le monde, c'est ce qu'il fait dans le Congrès. Nous avons procuré 300 millions de président parler à tout. Donc, ils sont compte d'abord que le Congrès doit approuver, et puis, justement, pour mettre disponible pour. Et, mais après tout, les États-Unis travaillent, et ouais, dans quelle mesure qu'on va commencer. Et son base militaire américain qui est dans l'État américain, donc tout près capitale fédérale là, tout près Washington DC. Donc son rencontre, son visite d'État que la délégation Kenya a fait, que le président Kenya particulièrement a fait, après pratiquement les films accepté à leur importance dans le contexte. C'est important de constater que c'est après le président Kenya a fait accepter pour prendre tête une mission multinationale, des forces multinationales qui peuvent aller en Haïti pour accompagner la police nationale. Donc c'était un petit démarche que les États-Unis ont fait, que plusieurs États-Unis ont dit pas qu'à entrer dans le mission ça, que le Canada n'a pas qu'à entrer non plus tout, c'est bien l'autre pays qui n'a pas qu'à pour décoller, mais au moins Kenya a accepté pour prendre tête délégation ça pour venir et venir. Donc c'est une visite d'État. Et vite ça, il y a là d'abord qui est une première rencontre qui a déroulé dans la maison Blanche-Blanc, côté du président Joe Biden avec le chef d'entreprise et qui a cherché à rencontrer la délégation Kenya. Pour parler certainement d'affaires, d'opportunités, parce qu'on est des gens de voyage, ça y est, toujours représenté une sorte d'opportunité pour les pays, pour le président visiteur là, qui cherche un nouveau marché pour le pays. Donc c'est le cas du président Kenya. Et il vient avec des versions justement pour chercher un nouveau marché. Donc, il y a à chaque fois, il y a une opportunité là-dedans. Donc, c'est déboucher la chercher très certainement. Et par ça, a un sens de motivation, encourager l'entreprise américaine pour venir investir
et au Kenya. En même temps, pour ouvrir le marché à tout, permettre que les produits Kenya rentrent aux États-Unis, tout, quelque chose d'opportunité. Donc ça permet de créer des opportunités les deux côtés, investissement fait d'un côté pour créer du travail, la caille pays et la caille pays en Kenya par exemple, et puis les produits qui fait au Kenya et tout, et même quand ils aux États-Unis, ils dans l'autre marché. Ça qui permet que l'économie pays a bien marché. Donc ça, c'est aspect ça que nous gagnons. Donc nous avons que après le président dans Washington là, il après que M. Tenney a fait une escale dans Atlanta et côté de passer environ deux jours, ou plus passer deux jours, et pour arriver là. Alors nous pouvons regarder l'autre aspect et rencontrer un aspect politique là. D'abord, c'est pas jeudi qui est vraiment actif qui va commencer. Le président Kenya lui-même, par une cérémonie là, qui a dit qu'il y a des dômes là, côté de la là, des dômes là. Donc, par une cérémonie, c'est là que monsieur a rentré dans la porte, ça, là, pour rentrer dans la porte de la garde là. Et c'est là qu'il a rentré pour justement rencontrer avec le président Mandel. Après, par le moment, tête à tête, côté du chef d'État. On va discuter des relations bilatérales entre deux pays, d'avoir son compliment, son bon bagage lié pour Kenya, parce que c'est pas facile pour un président américain, même si ça, en fait, même que le président américain accueille un président africain en termes de pour dans une visite d'État. Donc, une visite d'État qui s'allie par là, dans une salle d'État. Donc, et monsieur Lavina, c'est visite d'État que l'a fait, donc le Calvin là. Et ensuite, ils parleront tête à tête avec le président Joe Biden, justement, pour discuter. Et relations bilatérales en deux pays, qui sont améliorées, qui sont capables de faire plus bien, etc. Ensuite, la portée économique, pour qui les États-Unis sont capables d'aider Kenya et continuer à avancer parce que Kenya a été en référence en termes de peacekeeping. Ou encore mission maintien la paix à travers le monde, mais qui n'a participé dans plusieurs missions de la paix, c'est peut-être qu'ils ont fait que l'idée d'accord pour point et mission Haïti, et que tu as une difficulté là en termes de monde qui t'a contesté, opposition qui a contesté, il est allé dans le tribunal, tout, bah, ça n'a pas marché, donc mission l'a continué. Donc ça, c'est côté que Kenya lui-même lié pour les jeunes. Donc les États-Unis qui ont aidé Kenya dans ce sens-là. Ensuite, il y a un dossier Haïti. Le dossier Haïti, pour que les difficultés pour les jeunes au pays puissent accepter, parce que c'est pour une mission maintien la paix qui va en Haïti à son mission sécurité que lié, même là que les Nations Unies et d'accord, le Conseil de sécurité a été l'équipe d'approbation pour une mission ça fait. C'est seulement été besoin de pas de pays pour accepter pour prendre cette mission. Les grands ténors, par exemple, pour, et les États-Unis, le Canada, ils n'ont pas tellement chauffé pour être prêts à cette mission, pour quelle que soit l'implication de ce stade de là-dedans, ils ont des raisons par eux. Mais en principe, Kenya est un pays qui a accepté pour être prêts à mission. Donc, c'était déjà les États-Unis, plusieurs fois, plusieurs délégations et américaines allées au Kenya, même pour aller rencontrer l'autorité. C'était une délégation haïtienne qui est allée au Kenya, ils ont rencontré les délégations policières, rencontré même pour discuter la situation politique, la situation sécuritaire, ce que le Kenya est capable de faire pour aider, pour supporter et même réussir. Parce qu'ils ont une mission et Kenya en Haïti. Et, important pour lui réussir parce que vu que l'investissement que les États-Unis font, la démarche que les États-Unis font et la mission ça, par exemple, l'aspect logistique là, les États-Unis sont censés pratiquement c'est responsable de la logistique jusqu'à présent, c'est eux qui ont construit tout le bagage aussi pour permettre que les soldats, non seulement Kenya, mais l'autre soldat qui a sauté dans l'autre côté, ou les policiers qui a sauté dans l'autre côté, qui a venu participer à la mission, ça pour nous tous côté collé, pour permettre que la mission soit bien réussie. Déclaration que, par exemple, la police nationale a fait sous question, elle a dit que ce n'est pas Kenya qui va diriger, qui va conseiller des bails, c'est eux-mêmes qui ont fait ça, les initiatives, la coordination, c'est la police nationale qui a fait, ce n'est pas Kenya. Et donc, encore, il s'ajoute des informations absolues. Mais j'aime tout là. Et c'est une rencontre qui est aussi important pour Haïti, aussi important pour les États-Unis, qui est censé permettre des moyens logistiques pour mission. Et de l'autre côté, c'est souterrain même, c'est qui est capable de combattre du phénomène de sécurité qui est censé représenter un handicap pour quelque chose à l'avenir, par exemple pour les élections, par exemple.
et un conseil, c'est vrai, mais les élections, il faut qu'il y ait une condition de sécurité assez en place pour permettre que électeurs, pour permettre que candidats mènent une campagne, électeurs aient même accepté ben pas et prend tête mission ça et que pour un point de vue d'expérience et Kenya a gagné près de 40 ans de la participer dans genre de mission la paix à travers le monde et listé 47 pays donc il dit au point de vue d'expérience et Kenya a mais il dit que et notamment les questions et demandé le président Biden qui est-ce que pensait que Kenya capable de moyens pour les combattre bandits. Il dit oui ça qu'elle est capable Kenya lui-même le dit tout lui-même et bandits le traité comme monde qui pas gain religion pas gain il pas gain c'est des sans foi ni loi qui pas gain rien il pas même un langage même etc. Il dit que monde ça c'est pour fonctionner avec eux Jean Lia ou pas qu'à la pitié avec eux, c'est selon la loi. Et puis, c'est mettre en état, hors d'état de nuit, pour pas suspendre, faire préparation souffrir. Donc, monsieur prend tout ça. Et puis, lui, j'ai l'idée comme quoi c'est les États-Unis qui mettent l'en. Par les États-Unis, il n'y a pas aucune indication qui montre que les États-Unis fait accepter pour faire partir de la mission. Il dit au contraire que c'est peuple kenyan qui bat mission, le parlement kenyan bat mission, et bien, donc, il va le travailler à côté police nationale là, et pour l'accompagner police nationale pour faire travail ça, et pour faire travail sécurité. Il y a un plan de travail déjà, il y a discuté plan de travail ça, qui déjà d'après, et framework, ou bien encore d'après, et agenda, ou bien calendrier, Nations Unies mettait devant, et bien, il dit, il gagne tout le mandat ça, et pour ils ont ça, pas le travail. Donc, il dit que lui-même, c'est, j'en parle, c'est un coup, c'est point de faire pas, donc, monsieur Negameo, qui a quasi brisé en bas, il dit, monsieur Ranger Koyo, et il y a même il a venu et il parle il dit que la vie de travail est difficile donc Haïti le considère comme ça donc il dit qu'elle pas quoi que il est capable il va faire échec ou il va faire bécater donc mission là son mission qui est ici donc c'est comme ça donc c'est confirmé et mission bah, c'est vraiment une mission que et ce conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé depuis plusieurs mois. Donc, c'était pour un an. Donc, ça veut dire que nous presque arrivés dans un an. Peut-être que nous même un an pas arrivé. Les Nations Unies pas obligé de renouveler mission, même là que nous pouvons commencer. Mais, pour des raisons logistiques, ministre assemblée nouvelle qui publie dans le journal des journaux américains, eh bien, grand retard dans le déploiement mission, hein, pour des raisons logistiques. Et qui peut comparer, qu'il y a manqué bagages, manqué équipement sur place. Donc, monsieur, vous voulez qu'il faut que d'abord prêt. Pour le service tout plat, on met rentrer qu'on y a la vintage. Donc, en attendant qu'il y ait un travail de construction qu'on fait dans l'aéroport pour préparer, écoutez, que soldats aéroport et pratiquement prend logement. Si qu'après, ça veut dire qu'après, il n'y a pas de parents qui dit que il y a déployé en province, mais surtout pour amener dans la capitale. Pendant ce temps, bon dieu, mais il continue à opérer, monsieur, il continue à craser infrastructure et police nationale là. Commissariat qui a été attaqué déjà, mais qu'on a fait une crase honnête. Et cela est, et police a pas fait aucune réaction qui fait à et pas informé même si il a informé que et monsieur Tapkrazon c'est le commissariat bon pas gain aucune intervention qui fait pour empêcher que le fait ou pour empêcher que le continuer donc tout on a attendu tout on a posé question pour qu'on ça cap passer en tout cas conseil présidentiel et transition hein, il a rencontré avec délégation kenyan en Haïti et justement on peut discuter des questions stratégiques très certainement qui va partager avec la presse conseil a été fait en conseil des ministres avec le gouvernement intérimaire. À côté, il y a intérimé exactement toutes les décisions, quelques décisions qui étaient déjà prises, tant que majorité qualifiée dans le conseil-là, 5-7 au lieu de 4-7. Et tout ça qui était nécessaire, qui certainement vaut dans le journal Le Moniteur. C'est pas tout le monde qui allait dans le journal Le Moniteur, il y a pourquoi aller, mais quand même, au plus ou moins, il y a quelque part aller toujours dans le journal Le Moniteur. Puis, question de sécurité, il y a 3 missionnaires américains qui ont un orphelinat en Haïti, parce qu'ils sont à la capitale à Port-au-Prince, mais ils tombent dans l'embuscade. Et bien, l'embuscade là, et nouvelle lieu, d'après ça, Emmanuel Dino, et bien, 3 missionnaires, ça, ils ont perdu la vie, donc pas de guet-apprêté, mais l'hôpital, etc., parce que monsieur prend dans l'embuscade et ils ont éliminé, ils ont tué. Donc, alors, comme missionnaire, ça aussi, c'est un lien familial avec un parlementaire américain.
Et donc, plus nous avancer, nous avons plus de temps encore sur l'autre bah, qui fait. Mais tout ça fait partie et qui se montre comment la situation terrain vraiment montre qui est difficile au moment que la question a posé pour demander qui est les forces de sécurité à venir. Rappelez que les gens qui étaient contre la force de sécurité, bon, ils n'ont pas, parlé encore de ça encore du tout. Donc, tout le monde a eu l'étape tonne. Et puis, il faut qu'on fait pas qu'on y a pour conseiller présidentiel là. Et bien, il y a et tu continues à étudier le dossier et monde qui pose des candidatures pour poste premier ministre, c'est environ 200 candidats. Donc, qui a réduit, je t'ai dit, a réduit en premier temps à 15, ensuite, après, tu l'as à 5, ensuite, à 3, ensuite, il a fait un vote pour qu'on ait, mais d'après ça, comme ça l'a dit, il était probable que, dans le fin week-end, là, nous t'as qu'à qu'on ait au moins qui est-ce qui va le premier ministre, qui va le former gouvernement, et il va former gouvernement. Donc, on fait d'autres qui est déjà établi, déjà, et d'après ça, comme ça l'a fait, et comme ça l'a même fixé les élections pour 2025. Pour janvier décembre, pour décembre 2025, donc certainement, il y a parlé d'installation d'un nouveau gouvernement, un nouveau président avec tout dirigeant, toute institution, le 7 février 2026. Qui l'autre point encore qui s'est abdominé à l'actualité? Pratiquement, ça, c'est un grand point, dans ces visites au toit et qui bien coordonné avec déploiement force là. Donc, M. Outo Jeune, un gros support aux États-Unis et très certainement et États-Unis pour être pour lier d'elle. Et puis États-Unis dit pour aller des congrès à tout pour déclarer Kenya comme un partenaire États-Unis qui pas fait partie alliance l'OTAN. Donc à comprendre ça, ça veut dire. Et bon, monsieur Outo lui-même est tombé mission ça, voilà ça. J'espère que d'abord, d'être pour pays, il y a problème de technologie, problème et combattre et changement climatique, etc. Donc, j'espère que les États-Unis peuvent camper à côté de lui, et j'espère que vous tombez, voir ça, puis de lui. Et puis, tout lui plaît, font plus de pour, pas seulement pour lui-même, mais pour pays africains autour, surtout pays endettés, pour qu'il y ait des moyens qui sont disponibles pour permettre que pays ça pas utiliser les mêmes ressources que gain pour aider. Pour payer dette, alors que il va être capable même manger la caillou, donc faut que l'on ait d'autres moyens pour, ça que les États-Unis pourraient qu'ils pourraient le faire, ils pourraient demander des bailleurs de fonds internationaux, puis ils créent d'autres moyens, d'autres ressources, d'autres façons pour payer ça, cap coupé en banque de dette, et pour voir dans quelle mesure pays ça capable, et, continuer à payer des taux, mais en même temps, plus gain l'autre, au lieu qu'il y a fouillé pendant, tu sais, ce gain pour payer des taux, mais quand même, et j'en l'autre moyen encore pour soulagement. Donc, son seul soulagement et dette que le président Biden dit, le parlement dit, etc. Donc, et, tout le bail, ça, c'est bien fait dans le Congrès, nous avons procuré 300 millions de dollars, le président parlait à tout. Donc, ils sont comme que d'abord que le Congrès doit approuver, et puis, justement, pour mettre disponible pour, et, monsieur, mais après tout, les États-Unis travaillent, et, ouais, dans quelle mesure, qu'on va commencer, et donc son base militaire américain qui est américain donc tout près capital fédéral là tout près Washington DC donc son rencontre son visite d'État et que délégation Kenya a fait que le président Kenya particulièrement a fait après pratiquement les fins acceptées alors importance dans comme ça l'importance de ça, c'est de pousser à préciser après. Et le président Kenya a fait accepter pour déployer tête mission multinationale, des forces multinationales qui peuvent aller en Haïti pour accompagner la police nationale. Donc c'était un petit démarche que les États ont fait, et puis les États-Unis n'étaient pas rentrés dans le mission ça. Le Canada n'a pas rentré non plus tout, c'est bien l'autre pays qui n'a pas de cas pour décoller, mais au moins Kenya a accepté pour prendre tête délégation ça pour devenir et pour dériver et venir pointer. Donc c'est une visite d'État. Et visite ça, il y a la dalle d'abord, il y a une première rencontre qui a déroulé dans la maison Blanche-Lan, à côté du président Joe Biden avec le chef d'entreprise et qui a cherché à rencontrer la délégation Kenya. Pour parler certainement d'affaires, d'opportunités, parce qu'on est des gens de voyage, ça y est, ils toujours représenté une sorte d'opportunité pour les pays, pour le président visiteur là, qui cherche un nouveau marché pour le pays. Donc c'est le cas, le président Kenya. Et il vient avec des garçons justement pour chercher un nouveau marché. Donc, ça veut dire qu'il y a à chaque fois qu'il y a une opportunité là-dedans. Donc, c'est déboucher la chercher très certainement. Et par ça, c'est une motivation, encourager l'entreprise américaine pour venir investir
et au Kenya. En même temps, pour ouvrir le marché à tout, permettre aux produits Kenya tout rentrer aux États-Unis, tout, quelque chose à opportunité. Donc ça permet de créer opportunité les deux côtés, investissement fait d'un côté pour créer travail, la CAI pays et la CAI pays en Kenya par exemple, et puis produits qui fait au Kenya tout, et même qu'il y a aux États-Unis, finalement, dans marché, ça qui permet que l'économie du pays a bien marché. Donc ça c'est aspect ça que nous gagnons. Donc nous avons que après le président dans Washington, arrivé après que M. Denis a fait une escale dans Atlanta. Et quand il était passé environ deux jours, plus passé deux jours, et pour arriver là. Alors, nous pouvons regarder l'autre aspect et rencontrer l'aspect aspect politique là. D'abord, c'est pas jeudi qui est vraiment actif qui va commencer. Laisse la présidente Kenya lui-même par mon cérémonie là, qui a dit qu'il y a des dominants là, côté de la garde là, des dominants là. Donc, par mon cérémonie, c'est là que monsieur a rentré dans la porte, ça, là, pour rentrer dans la porte de la garde là. Et c'est là qu'il a rentré pour là, justement. Et rencontrer avec le président Malé. Après, parlons tête à tête, sans rencontre tête à tête côté du chef de l'État. On va discuter des relations bilatérales entre les deux pays. D'abord, son compliment, son bon bagage lié pour Kenya, parce que c'est pas facile qu'un président américain, même demander si ça, en fait, même qu'un président américain accueille un président africain en termes de pour dans une visite d'État. Dans une visite d'État qui s'allie. Par là dans une salle les dire donc et monsieur la visite d'état que l'a fait donc le calvin là et ensuite il parle en tête à tête avec le président Joe Biden justement pour qu'il va discuter et relation bilatérale en deux pays qui est amélioré qui est capable de faire plus bien etc. Ensuite à portée économique là, pour qui les États-Unis est capable de Kenya et continuer à avancer parce que Kenya a été une référence en termes de peacekeeping ou encore mission maintien la paix à travers le monde mais Kenya a participé dans plusieurs missions de la paix c'est peut-être raison qui fait que il était d'accord pour point et mission Haïti et que il y a une difficulté là Kali en termes de monde qui t'a contesté, opposition a contesté, il est allé dans le tribunal, ça n'a pas marché, donc mission l'a continué. Donc ça, c'est côté que Kenya lui-même a pour lui joindre. Donc les États-Unis ont aidé Kenya dans ce sens-là. Ensuite, le dossier Haïti, là, pour que les difficultés peuvent être joindre au pays, pour t'accepter, parce que c'est bon, on mission maintient la paix. Qui va en Haïti à son mission sécurité que lié, même là que les Nations Unies et d'accord, le Conseil de sécurité a fait approbation pour mission ça fait. C'est seulement été besoin de patron pays pour accepter pour peut-être mission. Les grands ténors, par exemple, et les États-Unis, le Canada, ils n'ont pas tellement chauffé pour être peut-être mission pour quelle que soit l'implication stratégique là-dedans, ils travaillent avec raison par eux. Mais en principe, Kenya est un pays qui a accepté pour des permissions. Donc, c'était déjà les États-Unis qui ont plusieurs fois, plusieurs délégations et américaines aller au Kenya même pour aller rencontrer l'autorité. Ensuite, une délégation haïtienne pour aller au Kenya, ils ont rencontré les délégations policières, rencontré même pour discuter des situations politiques, la situation sécuritaire, qui est Kenya capable de faire pour aider, pour supporter et même réussir la mission. Parce qu'il y a une mission et Kenya en Haïti et est important pour réussir parce que vu que l'investissement que les États-Unis font, la démarche que les États-Unis font et la mission ça, par exemple, l'aspect logistique là, les États-Unis sont censés pratiquement être responsables à cette logistique jusqu'à présent, c'est qu'ils ont construit tout le bâtiment pour permettre que les soldats. Non seulement Kenya, mais l'autre soldat qui a soutenu dans l'autre côté, ou bien policiers qui a soutenu dans l'autre côté, qui a venu participer à la mission, ça pour nous tout le côté collé, pour permettre que la mission soit bien réussie. Déclaration que, par exemple, la police nationale a fait sous question, a dit que ce n'est pas Kenya qui va diriger, qui va prononcer des bails, c'est eux-mêmes qui ont fait ça, les initiatives, la coordination, c'est la police nationale qui a fait, ce n'est pas Kenya. Et donc, encore, il s'ajoute des informations absolues. Mais il y a un tout là. Et c'est une rencontre qui est aussi important pour Haïti, aussi important pour les États-Unis, qui est censé permettre des moyens logistiques pour mission. Et de l'autre côté, c'est souterrain même, c'est qui est capable de combattre du phénomène de sécurité qui est censé représenter un handicap pour
quelque chose qui va faire à l'avenir, par exemple, pour les élections, par exemple. Et on conseille, c'est vrai, mais les élections, il faut qu'il y ait une condition de sécurité assez en place pour permettre que les électeurs, pour permettre que les candidats aient une campagne, et les électeurs aient une